On se dit que le théâtre, c'est pour les riches, c'est pour les bourgeois, c'est pour les blancs, on n'a rien à faire là-dedans. Ah, ça s'est foutu de ma gueule, mais à un point, c'est bien Denzel Washington, reste à ta place. Je m'appelle Bilal Slimani, j'ai 24 ans, je viens de Lille et je suis élève à la prépa égalité des chances de l'AMC 93. De base, ça devait pas être forcément une histoire d'amour entre moi et le théâtre. On n'était pas fait pour se rencontrer. En CP, un jour, un vendredi après-midi, il y a la maîtresse qui vient et qui nous dit il y a une dame qui va venir et qui va vous faire un atelier théâtre. En fait, moi, je kiffais avec mes potes. Et ça m'a suivi vraiment la pratique théâtrale jusqu'à mes 13 ans, jusqu'en 5e. Et je pense qu'il y a un truc qui s'est allumé en moi et qui est resté depuis. Quand je suis face à toi et que je te tiens, c'est le moment. Voilà, maintenant que je suis face à toi, je te tiens, c'est le moment. Et tant pis si cela te tue, tu es tellement conventionnel, tellement conservateur, tellement méchant. Ce qui me fait kiffer au théâtre, c'est de lâcher en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Tout ce qui me ronge, tout ce qui me fait mal, je le lâche quand je suis au plateau. Et après, en fait, je suis libéré, je suis complètement libéré. Le théâtre de l'MC 93, il est en plein milieu d'un quartier, tu vois. Ça, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Moi, je me souviens en début d'année, il y avait deux petits qui sont venus, qui sont rentrés, qui ont pris une brochure et qui sont posés sur les escaliers et qui étaient en train de lire la brochure. Et ils devaient avoir 8-9 ans, les petits. Et ça, c'est un truc de ouf pour moi. Parce que moi, j'aurais jamais osé à 8-9 ans rentrer à la Rose des Vents, prendre une brochure et me poser avec mes potes et regarder, tu vois. Moi, quand je passais devant le théâtre, je me disais que c'était un endroit hyper beau où il se passait de belles choses, mais c'était pas fait pour nous. On se dit que le théâtre, c'est pour les riches, c'est pour les bourgeois, c'est pour les blancs, on n'a rien à faire là-dedans. On ne se sentait pas légitime forcément, moi et mes potes, à se dire « Viens, on va voir une pièce de théâtre », comme on pourrait se dire « Viens, on va au cinéma ». Et c'est pour ça que je pense que j'ai arrêté après la 5e. Je commençais à m'intéresser un peu au cinéma, au rap, je ne voyais pas de perspective dans le théâtre. Après le bac, j'ai pas osé me lancer dans des études de cinéma parce que j'avais peur de la réaction de mes parents. Alors je me suis inscrit en éco-gestion à la fac. J'ai tenu 3 semaines et toute cette année-là, je suis allé au cinéma. J'ai arrêté d'aller en cours. J'ai fait 2 ans de licence de cinéma à Lille. Et en fait, ce qui s'est passé en cours d'année, c'est que je me suis fait percuter par une voiture, j'étais piéton. Et quand tu fais face à la mort, du coup, tu vois la vie d'une autre manière. Et à ce moment-là, je me suis dit que je vais assumer de faire du théâtre et je vais le faire et je vais partir à Paris en faire. Oui, assieds-toi, je crois que la parole est performative. Si on dit quelque chose, cette chose arrive. Je suis parti dire à mes parents que je voulais faire du cinéma, pas directement du théâtre. J'y suis allé petit à petit. Fallait pas que je leur fasse trop peur au début pour qu'ils se disent tranquille, quoi. Ils se lancent pas dans un projet dans le vide et tout. J'ai essayé d'expliquer au maximum et de leur faire comprendre que même si j'allais faire du théâtre, en fait, je restais Bilal. On n'allait pas me transformer. Et puis j'oublie tout mon vécu. Non, moi, je reste Bilal. Mais je fais du théâtre. Moi, je me rappelle au lycée quand je disais moi, je vais faire du cinéma, je vais être comédien et tout. Ça me disait ouais, ok. Parle pas avec nous, s'il te plaît. C'est bien Denzel Washington, reste à ta place. Ah, ça s'est foutu de ma gueule, mais à un point. Et non, aujourd'hui, ça va mieux. Ils sont contents pour moi et tout, donc c'est cool. Quand je suis arrivé à la prépa, Hortense Archambault, qui est la directrice, elle nous a lâché la meilleure punchline. Le théâtre de demain, c'est vous. Moi, mon but, c'est d'être comédien, de pouvoir vivre de ce métier déjà. C'est pas chose facile. J'ai aussi envie, je pense pas que ce soit une mission, mais de raconter des histoires qui sont pas racontées au théâtre. C'est une prépa égalité des chances, c'est pour ça qu'on est là aussi. Le projet, justement, c'est d'ouvrir le théâtre à tous. Comme le théâtre, c'est ressentir, c'est ouvert pour tout le monde.